Est-ce que tu as eu des retours aussi sur ton film, du coup, parce que finalement, le fait qu'il sorte sur Amazon Prime, sur Prime Video plutôt, ça a permis vraiment que beaucoup de gens le voient, surtout en plein confinement. Ouais, complètement. Je pense qu'on a fait des chiffres. Enfin, ils nous autorisent pas à les communiquer, mais comme je suis franco-algérienne, ça a fait aux alentours de... Ah ouais. Sunlight Production. All I have for you is a word. Nage droit, bout-toi. Nage droit, bout-toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. On est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube, en audio, sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Comme chaque mercredi, il est l'heure de l'interview et aujourd'hui, nous recevons une comédienne et humoriste que vous connaissez tous. C'est belge, c'est pour la Belgique. Tout à fait, c'est... Ah, terrible ce début. Après avoir joué dans Pataya Touche ou encore Tout Simplement Noir, elle a écrit son film, une comédie intitulée Forte, sur la pole dance, dans laquelle elle tient le premier rôle aux côtés de Valérie Le Mercier ou encore Alison Wheeler. Merci Mel Rabedia d'avoir Merci accepté notre invitation. Merci. Ça nous fait très plaisir. Et je vais te présenter les clappeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. La première clapeuse est une productrice qui m'a promis qu'elle nous fera une démonstration de pole dance en pleine interview, Elsa Morel. Bah, c'est prévu, il y a d'ailleurs une barre. Mais tu sais, si je trouve une tringle, tu peux t'y mettre. Hein. On va trouver un pied de cam. L'affiche de Forte, on a l'affiche. On va trouver un truc. Faire de la pole dance sur l'affiche de Forte, ça serait incroyable quand même. J'ai envie de voir. C'est une performance, ce sera tout à l'heure. Restez avec nous pour le découvrir. C'est la pression. La seconde clapeuse est journaliste et quand on lui a dit que c'était toi que nous allions recevoir, elle est tombée dans les pommes et pourtant, c'est pas le moment de se retrouver à l'hôpital. C'est Sophie Gauthier. Oh, celle-là, elle est belle. Hello, hello. Ça va? Ça va très la bien forme. Et vous tu ouais. t'es bien remis de... Ça de va, là choc. Je suis en forme, c'est bon, prête. Okay. Elle a la pêche cette fois-ci. Oh là là. Ça veut dire que quoi, elle a eu le Covid ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon. Pas du tout, non, ne t'inquiète pas, là je t'ai vu reculer. Un petit peu quand même. Non, pas vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle a eu? Non, mais c'était une blague. Ah, c'était une blague. Non, alors les présentations, j'invente tout, hein, je précise. À part le métier, je suis très premier degré. C'est pratique pour une humoriste. Ah, écoute, j'ai changé, je ne suis de moins en moins. C'est le métier de comédien. Tu te mets en fait directement dans les situations. Ouais, quoi. Je vais devenir. Non, mais surtout maintenant, je vais décider d'être une comédienne. Et je vais faire que des films d'auteur de trois quarts, tu sais. Je vais chuchoter dans tous les films. Bientôt chez Arnaud Desplechin. Exactement. On a hâte de voir ça. Et avec elle, nous retrouvons donc un clapeur responsable marketing qui a justement travaillé sur la promotion de ton film Forte. C'est le trop fort, oui. Michael Godefroy. Tiens, le gars s'énerve. Ça, c'est mon oreiller. Le gars casse tout en disant ça. Bonjour tout le monde. Ça va, Michael? Un grand plaisir de retrouver Melra. Heureux. On a eu un petit... Ouais. On avait un petit crush à l'époque. Un petit crush sur pendant le On travail. Peut le dire maintenant, on peut le dire. Là, je peux le dire. Mais pourquoi tu vas tenir tout le temps ce micro comme ça? Ouais. C'était juste pour savoir, parce que si ça on est en couple, il y a des trucs que je sais pas ce qu'on entend là. Non, mais c'est le but. C'est normal. Bon, alors d'accord, on va faire comme ça. Michael, merde. Mais Michael, alors. L'entrée son est là, c'est juste là, c'est fait exprès. C'est l'entrée son. Tu m'entends plus. ce serait dommage quand même. On va commencer avec toi, Melra, en même temps, t'es l'invité. Et sinon, on peut aussi parler de ce qu'on a fait genre cet été, si les gens sont descendus dans le sud. C'est bien passé. Melra, comment est venue ta passion du cinéma? Chez Vidéo Futur. Vidéo Futur, bah, non, je crois pas. C'était pour faire cette réponse. Cette bon, ça n'existe plus d'ailleurs, Vidéo Futur. Non, et je les rendais pas, et quand tu les rendais pas, ils te prenaient le chèque de caution. Voilà. Ah merde. Eh ouais. Ça fout un blanc. Il y a aucune chute, mais ça fout un blanc. Genre... J'ai fait comme si c'était très dramatique. J'ai fait merde. Hein. Ouais, prenez le chèque de caution. Merde. Merde, putain, la pauvre Melra, quelle enfance misérable. Non, la passion du cinéma, je pense que c'est beaucoup grâce et à cause de mon frère, Ramzi, d'Eric et Ramzi, c'est le grand arabe bouclé. On L'autre, voit. C'est un anti-autrichien. C'est... Donc, comme quoi, un gars près, basané, j'étais peut-être autrichienne. Quoi. Bah, c'était pas loin, quoi. Ça aurait été pas mal. Non, mais c'est lui qui a ouvert un peu. Moi, je n'osais pas rêver de tout ça. Et moi, j'ai adoré le théâtre et tout ça. J'étais inscrit dans un petit atelier à Gennevilliers dans le 92, mais... C'est lui qui nous a un peu ouvert les portes, quand même. Qui t'a... Qui ouais. T'a... Alors, il m'a pas aidé pour faire ce métier, oui. Parce qu'il voulait pas du tout que oui, je fasse ce ça, métier. Oui, c'est mais c'est lui qui m'emmenait sur les tournages, c'est lui qui m'expliquait un scénario, plein de choses que je connaissais pas. Et puis, de toute façon, on n'était pas du métier, nous.
Ouais. Mon grand-père était chauffeur de taxi, ma mère était restauratrice, enfin vraiment, elle faisait des tagines, hein, quoi. Donc je pensais pas que j'allais faire du cinéma un jour, loin de là, même du théâtre, donc c'est trop cool et c'est beaucoup grâce à Ramzy. C'est en allant sur les plateaux, du coup, avec lui, en l'accompagnant. On un peu trimballé partout, donc c'était trop cool. Mais t'aimes bien, toi, cet esprit-là, justement, des tournages, cet esprit de groupe. Ouais, collectif. J'aime bien, c'est une famille, tu quittes pas les gens pendant. Là, je viens de finir un tournage et on était restés 2 mois et demi ensemble, quoi. Ah ouais. Donc oui, tu connais un peu la vie de tout le monde, les tracas de tout le monde, c'est génial, c'est vraiment une famille, c'est très chouette, moi j'aime bien le tournage. Et t'as retrouvé ça notamment dans Two Shoes, dans lequel t'as joué avec José Garcia, où vous étiez justement pour le coup une bande de jeunes, en plus de l'équipe du film, il y avait une bande de jeunes. Bah entre tu mets eux, que des jeunes qui sont payés, donc qui reçoivent leur salaire le vendredi soir, dans un chalet au ski, franchement, on va pas te mentir, on a fait des conneries. Ça, oui, c'est ça, mais j'ai cru comprendre, parce qu'on a reçu Victor Meutlet et Manon Valentin qui jouent tous les deux dedans, et compris que ça s'était bien passé. Quoi. Ça s'est très bien passé. Ça s'était, vous êtes bien amusé. Ouais. Mais justement, t'as commencé d'ailleurs en n'étant pas actrice, mais en étant humoriste. Oui. C'est parce que tu t'avais peur ou t'avais du mal à commencer par le métier d'actrice, ou c'est vraiment une passion pour l'humour, le stand-up. Je crois que j'avais du mal à tout. Moi, tu sais, à partir du moment où mon frère, qui était mon référent masculin, qui me dit bah écoute, tu vas pas du tout faire ce métier, ou si tu fais ce métier, tu me parles plus, et que j'ai fait tout ça dans son dos avec Diams, on dirait une blague carambar, mais je crois que c'est vrai. C'est vraiment Diams un jour qui m'a dit bon bah t'as eu ton bac à 16 ans avec mention. Ah oui. Ah, ça calme un peu. Hein. Ah oui, non, mais après c'était littéraire, donc littéraire ça compte vraiment pas. Oh, bah c'était alors... les intermittents, quoi. Mais c'est mieux que moi, je l'ai en littéraire à SMG. Alors plus il y avait de lettres, plus c'était chaud. SMS, j'avais une copine, elle était en SMS, sanitaire, médico-social. Je disais, mais... Et en fait, elle est devenue infirmière, quoi. Tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, non, mais dites infirmière, quoi. Pas obligé de dire SMS, STS. Pour raccourcir, quoi. J'ai l'impression que tu vas devenir ingénieur en sortant de là avec toutes les lettres, et après t'arrives, tu te rends compte que bon. Infirmière, mais c'est très bien. On en a besoin des infirmières. On a beaucoup besoin des infirmières. C'est sûr. Mais je critiquais pas les infirmières. Mais oui, bien sûr. Je te dis infirmière, mais c'était pour la rendre un peu plus claire. Je crois que c'est vraiment elle qui sert les repas dans les hôpitaux. D'accord. Donc il en faut aussi. Il en faut aussi. On n'était pas obligé d'aller faire une première SMS. Quoi. Oui, ça, oui, bien sûr. Pour servir un potage. Mais revenons sur toi et sur donc ton bac. Non, la meuf qui veut faire la politique. Non, je suis de gauche. Hein. Non, c'était peut-être pas vu. De quoi ? Je suis de gauche. Oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Il m'a dit ça comme un mec de droite. Bah oui, non, oui c'est très bien, il fait ce qu'il faut. Moi j'arrête tout de suite cette interview. Non, pas du tout, mais être de droite. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Non, pas du tout, mais c'est super. Mais... Dites-moi si je vous mets un peu mal à l'aise. Mais pas du tout, alors vraiment, non, pas du tout. Non, vraiment, n'hésite pas, nous on est très contents. C'est de vrai, te recevoir. Moi j'ai pris ma chute. Bon, il est en mode, mais oui. Bah oui, attends, t'as cru quoi? Mais tu parles un peu comme un mec du Cap Ferré dès que du tout. Bah pourtant, j'ai pas du tout du Cap Ferré. Non, mais je sais, mais dès que tu t'insurges. Ah, c'est des crevards les Auvergnats. Non, mais je suis pas non d'Auvergne, je suis dans Franche-Comté. Ah, bah les Francs. Franc-Comtois. Les Franc-Comtois, j'ai pas de. Bah j'ai pas de légende urbaine sur eux. J'en ai pas, non. Ils ont du très bon comté. Bah ça, oui, on adore. Oui, on adore. Il faut prendre le 24 mois. 24 mois, il est meilleur. Bah, mais c'est bon à savoir, parce que moi, je m'y connais pas du tout. C'est fou de venir de là et de pas connaître tes origines et ton terroir. J'ai vécu jusqu'à 4 ans, donc c'est pour ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Raconte-moi. C'est sur moi. Allez, je retrace. Moi, j'ai eu un bac L, mais à 18 ans. Décevant. Boring. Bah, oui, surtout par rapport à toi. Donc, 16 ans, bac L. Et Diams. Je pars avec Diams en tournée qui me dit bah, prends une année sabbatique et au lieu d'aller. Parce que j'étais inscrite à la fac à la Sorbonne, mais j'y suis allée vraiment 4 jours, quoi. Et elle me dit bah. Et je vous jure qu'on allait acheter des merguez, c'est vraiment pas une vanne. Des merguez? Parce que ma grand-mère avait fait un couscous, elle était venue pour prendre du couscous parce qu'elle voulait du couscous et ramener à sa mère ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Et ma grand-mère dit, bah il manque des merguez, on est vraiment sur le trajet des merguez. Elle me dit, viens avec moi en tournée, tu vas peut-être découvrir un métier, t'aimes bien les fringues, tu feras de l'habillage, du stylisme, je te trouverai quelque chose. On part un an en tournée et ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Parce que vraiment à 16 ans, j'avais pas de vocation, j'aimais bien les langues étrangères, mais... J'étais inscrite en LLCE, quand c'était pas la folie, tu vois. Et du coup, je suis partie avec elle en tournée. Mon frère a dit, quoi ? Tu pars faire l'intermittente alors que t'es bonne à l'école ? Et du coup, il m'en a voulu. Et je suis partie avec Diams et ça a été génial parce qu'elle m'a mis le pied à l'étrier, elle m'a donné le micro, elle m'a dit, mais en fait, tu vas aussi faire les premières parties. Et... En chantant ou en... En faisant des blagues sur le voile, pas. Tu vois. Je la charriais sur le voile à l'époque et ça marchait bien. D'accord, ok. Je sais pas si je pourrais refaire ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est elle qui m'a dit, fais de l'impro. Et c'est là que j'ai eu un amour et je suis tombée amoureuse de l'impro parce que déjà j'avais pas de sketch, j'ai écrit donc j'avais pas le choix, mais c'est là que j'ai fait mes premiers pas sur scène en tout cas.
Et le fait de voir le public justement réagir. C'est génial. En plus, j'avais le public de Diam, c'était ils étaient trop mignons, quoi. Ouais. Tu vois. Je vais pas te mentir, c'était pas Mick Jagger. Enfin, tu vois, c'était pas Mick Jagger. Non, mais il avait pas un public de rock and roll. Oui, quoi. Oui, oui. C'était pas, tu vois. Le public adéquat. Il était cool, quoi. C'était pas le public du Cap Ferret. Finalement, c'est ça. Elsa. Et est-ce que ta carrière d'humoriste t'a aidé plus tard dans le cinéma? Est-ce que t'as appris des choses que tu peux appliquer au cinéma, je sais pas, dans l'intonation de la voix ou des choses comme ça? Bah, il y a plein de trucs où, par exemple, là, j'étais sur un film avec Berléand. Mm-hmm. Et on se rendait compte que, par exemple, nous, enfin, on parlait à un moment donné avec l'ingénieur du son qui disait « Attends, le micro, on n'entend pas d'un rien. » Il a fait une réflexion qui était assez juste. Il disait « Mais par exemple, nous deux, on porte grave notre voix. » Avec François Berléand. Ouais. Mmh. Et lui, il fait beaucoup de théâtre. Et moi, j'en ai fait. Mais moi, c'est du stand-up. Mmh. Mais c'est quand même... La majorité des spectacles que j'ai fait, j'avais pas de micro. Donc, t'apprends à porter ta voix, à pas crier, mais juste faire entendre ce qu'il faut, tu vois, pour pas hurler. Et en fait, je pense que, ouais, il y a des petits trucs comme ça, mais... Et même l'impro, tu vois, moi j'adore quand le réalisateur te dit « Bah écoute, celle-là, elle est pour toi, cette scène, essaye-la et fais ce que tu veux. » Bah ça vient aussi un peu de la scène, j'imagine, tu vois, donc c'est trop cool. C'est ce qui t'a permis. Et comment s'est fait la transition, justement, de... Bah moi, à la base, j'ai commencé à avoir une expérience devant la caméra plutôt que sur scène. Mm-hmm. J'avais tellement peur d'écrire un spectacle parce que bah, j'étais la sœur de Ramzy, t'as des gens qui m'attendaient au tournant qui n'étaient pas vraiment bienveillants, j'ai mon frère qui n'était pas vraiment bienveillant non plus. Donc j'avais un peu peur, donc j'ai mis du temps à l'écrire. J'ai signé avec un producteur qui m'a arnaqué, donc comme j'ai pas voulu dire que j'étais la sœur de Ramzy ou appeler mon frère... Bah, j'ai signé un contrat comme ça à la va-vite et le mec m'a... Bah, j'étais genre emprisonné chez lui pendant 132 ans, il avait écrit sur le contrat. Vraiment ? Et ouais, je te jure. Oh, j'appelle Jean-Philippe Bouchard. Ah d'accord, bah, nous ne saluons pas Jean-Philippe Bouchard. Il produit Nora Mzaoui, le comte de Goudermala. Bah, oui, bah, écoute, d'accord. Moi je veux que les auditeurs soient grands. Inès Reg, voilà. Ah, bah, d'accord, bon. Oui, oui, oui. N'hésitez pas, il a le théâtre Le République si quelqu'un veut. Passer devant et cracher un petit mot là. C'est un petit crachat sur le théâtre de Jean-Luc. Et puis ça hydrate. C'est l'avantage. Non, mais en gros, c'est un mec. C'était un producteur, voilà, c'était le premier. Et puis moi, j'adorais le Comte de Goudermala. Donc je me suis dit, s'il produit le Comte de Goudermala, c'est que ça doit être génial. J'ai évidemment pas fait lire à un avocat. Tu sais, c'est les premiers, premières erreurs de test. Fait pas d'agent aussi. Vite, Rien, rien. Ouais. Et puis moi, je me suis dit, j'adore les gens dès qu'ils me tapent dans la main. Moi, j'ai l'impression que comme j'ai pas connu mon père, dès que je vois un mec qui me tend un contrat, c'est mon père. Donc je suis allé. T'imagines si je plombe l'émission et du coup, quand mon père m'a abandonné à 8 ans, il a laissé ma mère avec des dettes et... Non, je rigole, mais en gros, ouais, j'avais ce truc-là, donc j'avais pas prévenu mon frère. Ouais. Et un jour, il y a une agent qui vient me voir jouer en scène ouverte au Paname et me dit, je vais te représenter. Je me dis, mais attends, je vais faire du cinéma. Et en fait, elle me dit, non, mais j'ai un casting pour toi. Et c'était la série Les Lascars sur Canal+. Ouais. C'était ma toute première expérience. J'ai passé le casting, ils m'ont prise et j'ai commencé à faire une série sur Canal, puis un film qui s'appelait À toute épreuve. Ouais. Et après, j'ai fait mon spectacle. Donc ça a mis un peu plus de temps. Ah oui, d'accord, en fait, ça s'est fait. Je montais sur scène, mais. En deux temps. Comme j'étais un peu coincé à cause d'un Jean-Philippe Bouchard, le République, à côté du McDonald's de la République. Son adresse s'affiche en bas de l'écran, n'hésitez pas. Le plan Google Maps, tu sais. Ouais. D'accord, ok. Et donc, c'est comme ça que t'es. C'est grâce à cet agent, finalement, que tu as mis un premier pas. Et puis après, j'adorais l'exercice d'aller passer les castings. Moi, je trouvais ça trop cool. Ouais. Et souvent, je les avais. Parce qu'il y a plein de comédiens qui détestent ça, au contraire. Moi, j'adore ça. Et puis après, moi, je sais que j'étais un peu atypique. J'étais ronde. J'étais ronde. Je me suis inventé une vie, je suis encore grosse. J'adore quand une grosse, elle croit qu'elle est plus grosse alors qu'elle est encore grosse. Ça, c'est le meilleur dos. Non, en fait, je suis en surpoids, j'ai des lunettes, j'ai un bonnet. Je sais très bien que je vais pas voler les rôles de Léa Seydoux, quoi. Donc, oui, c'est... Donc c'était cool aussi à chaque fois d'aller se confronter à cet exercice du casting avec d'autres gens qui me ressemblaient aussi. C'était trop marrant. Et du coup, tu sens quelque chose de bienveillant dans. J'ai une petite covidasse. Allez, on fêtera ça ensemble. Devant Ghost. Et Mission Cléopâtre. Trop bien. Donc, au niveau des castings, toi, le fait d'être mis à nu un peu finalement devant des gens qui sont là pour juger ton jeu, c'est pas ça t'a pas. Bah, c'est l'exercice, quoi. Ouais, c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, le casting, j'aime bien monter sur scène, c'est une angoisse et tout ça, mais dès que j'y suis, j'adore. Ça fait plus peur d'aller faire un spectacle devant tous les soirs devant 200 personnes ou même 50, même 2 personnes que d'aller faire un casting où dans 15 minutes tu sais que t'es sorti et au pire t'auras essayé, quoi, tu vois. D'accord, ok. Je crois qu'il y a un problème technique. Elsa, t'avais une question ? Bah oui, du coup, pour venir à toi.
Cadeau, Elsa. On se passe la sucette à chaque fois qu'on parle, c'est le totem. C'est le totem, ouais. C'est le totem, ouais. Non, mais pour venir à ton film Ford, du coup, que tu as écrit, comment est-ce que c'est venu cette J'ai idée... coécrit avec Frédéric Hazan, ouais, voilà, et Anthony Marciano, okay. Et Katia Levkovitch. Les trois sont juifs. Je voulais le stipuler, voilà, pour pas qu'on ça dise va. Oui, mais dans les banlieues, il y a un antisémitisme. Bah, j'allais dire, l'entente s'est bien passée, du coup, c'est bon. À part sur le conflit israélo-palestinien, l'entente s'est bien passée, ouais. À part sur, de temps en temps, quand on ramenait le débat de la Palestine, la Cisjordanie, ça, c'était pas ouf. Non, je rigole. Non, ça a été. J'ai une chance inouïe d'avoir écrit avec ces gens-là, d'avoir pu confier mon petit bébé à Katia Levkovitch, qui en a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est trop bien, je lui ai fait une confiance aveugle, et j'aurais peut-être pas dû avec les juifs, vous savez. Non, je rigole. La meuf qui part en vrille. Non, c'est ma famille maintenant. Il y a Anthony Marciano, on écrit un autre film. Frédéric Hazan, j'ai jamais autant pris de plaisir en écrivant des dialogues avec quelqu'un. Ouais. Et Anthony Marciano, je suis fan de tout ce qu'il fait. J'ai vu Play, c'est un génie. Ouais, c'est le réalisateur de Play avec Max Boublil. Et même des gamins à l'époque. Ouais. J'adore ce mec, il est très talentueux, il est brillant. Et Katia Levkovitch, bah écoutez, c'est celle qui fait les pubs Intermarché, elle te fait chialer avec des légumes. Oui, voilà. Mais pourquoi ce choix justement de ne pas avoir réalisé le film, d'avoir écrit mais pas. C'est trop dur, c'est un métier. Vous avez reçu Cédric Clapiche, vous voyez bien qu'il y a un grand écart quand même. Oh non, on a confiance en toi. Mais c'est une envie que t'as justement de. Oui, j'ai réalisé mon premier court-métrage, mais j'avais envie de passer toutes les étapes normalement, d'accord, tu sais, de comprendre. Je voulais pas juste. Ils me l'ont proposé à un moment donné, mes producteurs, ils m'ont dit réalise-le et tu prends un directeur technique et il t'aidera. Et tout ça, et je me suis dit mais je n'aurai jamais le recul nécessaire pour moi déjà surtout me voir, tu joues, et surtout comment je vais dire à Valérie Lemercier dis donc la séquence précédente c'était je me sentais pas trop légitime encore. Michael, oui mon amour. Dis-moi mon cœur. Comment je peux parler après ça, c'est pas possible. Je sais que je peux mourir de comment il tient le micro, hein. Alors justement, t'as joué avec t'as joué avec Valérie Lemercier. Est-ce que t'avais une grosse pression au moment de jouer avec elle? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es vraiment bien entendu avec elle? Est-ce que t'as senti une alchimie avec elle? Comment s'est fait la rencontre déjà justement? Écoute, Katia a proposé le scénario à Valérie Lemercier, je crois, un jeudi à 11h du mat. Elle avait lu à 12h30. Ah ouais. Elle est venue me voir en spectacle à 21h. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, je crois qu'il y a eu un efficace, truc. Ça a été très efficace. Très efficace, de la part de Katia Levkovitch et Valérie Lemercier. Du coup, elle est venue me voir en spectacle. Donc moi, déjà, avant de monter sur scène, je suis en train de vomir. Tu savais qu'elle était là? Bah oui. Ouais. Et forcément, quand on me dit il y a Lemercier, et j'ai entendu son rire genre 4 fois. Ah d'accord. Et je me suis dit waouh, ça va, mais il y a quand même Lemercier dans la salle, quoi. Bah ça. Déjà y a la pression. Ouais, moi de toute façon, Foresti et Lemercier, il fallait si je me faisais valider par ces meufs-là, j'avais réussi dans la vie. Ouais. J'ai même plus besoin d'être drôle, tu vois. Je peux juste être posée là. Et du coup, elle était venue, et puis après, on a été dîner, et elle a adoré, elle a accepté le film direct. Et au début, j'avais un peu la pression parce qu'elle n'est pas facile d'accès quand tu la vois de l'extérieur. Tu dis waouh, comment je vais faire? Et moi, j'ai une passion pour. Je me mets des défis toute seule, des challenges. À chaque fois, je me dis ah ouais, lui, il est dur, t'inquiète pas, je vais l'avoir. Par exemple, mon psy, il m'a dit jamais t'arriveras à me tutoyer, jamais t'arriveras à créer ce que t'arrives à créer. Moi, je mets de l'affect partout et c'est très mauvais. Et j'ai dit ah ouais, on verra. Et genre là, ça fait genre 2 ans qu'il me textote. On est sur WhatsApp, il m'envoie des notes vocales. Il me dit t'as vu ce match? Donc lui, je me le suis mis dans ma poche. Melchior, si tu nous entends, je t'embrasse. Il s'appelle Melchior. J'ai pas de chance. Melchior. Hein, Melchior. Il est à Convention. À Convention. Je donne toutes les adresses. Hein, voilà. Bah, c'est bien, c'est une bonne annonce. Apparemment, allez cracher à République, devant le République, et allez voir Melchior, mon psy. Ouais, j'ai cassé la machine. Je suis pas solvable, l'espresso elle est l'air cher. Non, t'inquiète pas. Elle est tactile. T'inquiète pas. Trop dur, je te jure, au début. Et après, c'est con, mais on a fait 4 vannes un peu en dessous de la ceinture et c'est ce qui nous a liés et fusionnés, je te jure. D'accord. Avec pas Melchior, le merci. Non, merci. Non, Melchior, je. Pas encore. Oh, attends, t'as raison, je devrais en faire déjà. Ah bah voilà. C'est ton nouveau challenge. Ah ouais, autre challenge. Go. Non, mais du coup, ouais, le merci, au début, j'avais un peu d'appréhension. On se voyait en plus. Les premières fois qu'on s'est vus pour bosser, c'était dans des cours de pole dance. Oui, c'est et ça. Elle, okay. Et moi, j'en avais fait depuis 6 mois, j'arrivais à rien. Mmh. Et elle est arrivée, et la première minute, elle a réussi à tourner. Ah oui. Ok, double pression. Bah, sachant qu'elle n'a pas mon âge. Oui, c'est vrai. C'est comme je le dis, je l'adore, Valérie Lemercier, mais voilà, elle est quand même, elle a un certain âge, et normalement, on devrait être un peu plus vifs, nous, les jeunes. Et elle est arrivée en 2 minutes, elle a fait ce que j'avais pas réussi à faire en 6 mois, donc c'était super. Et ça s'est détendu vraiment au premier jour de tournage. On a fait des vannes et après, c'est devenu ma meilleure amie. Ok. C'est-à-dire d'accord. Que maintenant, elle me conseille pour mes rideaux, des bottines quand je dois voir un mec. Je l'adore. C'est vraiment c'est une chance de ouf, en fait, de pouvoir avoir cette meuf dans ma vie et dans mon film. Ouais, totalement.
Et bah vas-y, Michael. Et peut-être que la présence d'Alison Wheeler, de Jonathan Cohen. Je vois pas qui c'est Jonathan Cohen. C'est Alison Wheeler, c'est la rousse de TPMP. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Et Jonathan Cohen, c'est un YouTuber. C'est, ça. C'est un petit youtubeur, hein. Vraiment, oui. Il vient de commencer. C'est hein. Ça, c'est Big ouais. Flo et Jonathan. Big Flo et Joe. Ouais, c'est ça, je vois très bien. Bon duo. Non, c'était cool, et puis c'était cool d'avoir. A, si on regarde bien sur le tournage, il y a forcément. Même ma meilleure amie, elle est dedans, et elle a 8 secondes dans un Sephora, mais c'était oui, trop important. Adèle, ouais. Elle commence sur YouTube aussi. Elle va avoir une bonne carrière, pas tout de suite. Elle va pas décoller tout de suite. Et je suis pas sûre pour les récompenses. Je pense pas. Non, mais en tout cas, c'était important pour mon premier film qu'il y ait des gens. Ouais, que Adèle soit là, ça c'était évident. Alison, pareil. Jonathan, pareil. C'est une famille, donc je vais pas me plaindre. Franchement, et Ramzy. Bien sûr, il y a lui aussi. Bah oui, mais c'est. Et Bastien Huguetto qui est génialissime dedans, ah bah mais oui, que je ne connaissais pas, mais du coup que j'ai découvert, et qui est un génie. Qui joue aussi là dans Adieu les cons d'Albert c'est Dupontel. Ça, il est très très bon dedans. Il est très très fort, Vassir Ghetto. Ouais, très bon, Elsa. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le film, c'est que... tu n'as pas pris ton totem. Tu ne peux pas parler, tant que... tes aises. Parce que quand on est productrice, je sais. Productrice en dessous. Mais du coup, ce qui est intéressant dans Force, c'est qu'il y a des acteurs qui proviennent de médias différents. Bastien Huguetto, on l'a surtout connu avec, sur YouTube avec Les Parasites, Alison Wheeler plus de la télé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on arrive à supprimer ces barrières justement médiatiques qu'on impose et vraiment tous se rassembler, par exemple autour du cinéma? Est-ce que ça tombe, ça commence à tomber? Je crois, j'ai l'impression, moi c'est ce que je vois, en tout cas j'ai l'impression que je vois des castings un peu plus éclectiques parfois. Ouais. T'avais des directeurs de casting ou même des réalisateurs qui voulaient un casting très très cinéma, quoi. Ouais. Tu vois, et même dans les agences, par exemple, moi je sais que je suis dans une agence qui s'appelle Adéquate. Mm-hmm. Et je vois qu'il y a de plus en plus, il y a une rappeuse qui vient de rentrer que j'adore, t'as un mec de YouTube. Mm-hmm. Mais t'as aussi un comédien qui était au conservatoire. Donc tout le monde est un peu en train de se mélanger et ça fait un espèce de melting pot pot pourri cool. Mm-hmm. De la génération nouvelle, en fait, et ça c'est sympa, moi je trouve. Oui, ils commencent à être pris au sérieux, parce qu'avant on les prenait pas au sérieux ces gens-là, et c'était dommage parce que c'est des gens qui ont du talent aussi. Évidemment, il y avait un espèce de snobisme, je dirais. Il y a tout, il y a tout, ça dépend les films que oui. Mais bon, c'est en train de se décanter, je trouve. Mmh. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Il y a une évolution. C'est une intervention très très pertinente. Ah. Tu dis, c'est pas le cas de Mickaël. Oh. C'est pas le cas. Non, mais parce qu'il a pas le totem aussi, c'est pour ça. Tu es très désagréable. Pardon. Passer de l'amour à la haine. Mais oui. Oui, je suis désolée. On se voit après, on s'est dit en plus, c'est l'enfer. En fait, je le dis devant les gens, j'aime pas. Bah oui. Ça devait être secret. On se montre maintenant, si tu veux. On s'assume. Tu fais beaucoup preuve d'autodérision dans Forte. C'est important pour toi aussi de faire un film et de faire rire par ce biais-là? Bah ouais, c'est le enfin moi c'est mon mode de fonctionnement depuis que je suis toute petite, donc ça m'aide vachement et j'ai l'impression que ça fait rire et que ça détend les autres aussi, donc et les autres qui sont parfois pas très bien dans leur peau aussi, donc c'est bien de détendre un peu l'atmosphère et mettre direct les pieds dans le plat, enfin dans le wok. Donc je suis aux grosses têtes. Ah oui, je suis aux grosses têtes, c'est pour ça que je vais faire des malins. On salue Laurent Ruquier. Avec plaisir, Loulou. Et Non, mais du coup, ouais, c'est important pour moi l'autodérision. De toute façon, j'ai un spectacle qui s'appelle Fat and Furious à partir de là. Tu le joues encore ou Bah là, c'est pareil. Je sais pas si t'es au courant, il y a une pandémie. Ah bah, je savais pas. Ah non, pas... mais c'est... peut-être que t'as pas eu accès. Non, moi je continue à voyager tranquillement. Ah ouais, pas de masque. Tout est, Je savais que t'étais ce mec-là. Dans les petits mouchoirs, c'est ces mecs-là de toute façon. C'est Nicolas Bedos. Ah ouais, voilà. Lui, ce bâtard. Voilà. Dites, quand vous allez l'arrêter, dites-lui que moi, je vais pas rigoler avec lui quand il a mis son truc ou. Oui, envoyer chier au patron, enlever les masques. Bah oui, mais enfin, tout le monde n'est pas au Café de Flore. Mais tout il fait de très bons films, par contre. Ouais, et bah, je te jure que moi, j'ai vu Monsieur et Madame Adelman. J'ai adoré. Ah, ouais, aussi. Et La Belle Époque, j'ai aimé. Ouais, oui, et voilà, c'est vraiment, ça. Je suis pas la cible. Et je l'ai vu dans l'avion. Donc, grâce à Dieu, je suis pas payé. Mais c'était super. Ouais, on va pas se mentir, c'est super. Ouais. C'est un très bon metteur en scène. Très envie de voir son prochain, OSS 117. Ouais. Ah bah, je pense qu'on va bien rigoler parce que c'est l'esprit OSS 117. En Afrique noire, ouais, carrément. Mais tu nous parlais un peu des retours et du fait que faire de l'autodérision, ça permet aussi de décomplexer. Et est-ce que tu as eu des retours aussi sur ton film du coup? Parce que finalement, le fait qu'il sorte sur Amazon Prime, sur Prime Video plutôt, ça a permis vraiment que beaucoup de gens le voient, surtout en plein confinement. Ouais, complètement. Je pense qu'on a fait des chiffres. Enfin, ils nous autorisent pas à aller.
divulguer, mais ouais, comme je suis franco-algérienne, ça a fait aux alentours de 4 millions ah ouais, de visionnage, enfin de, ah ouais, je sais pas comment on dit, de streaming. C'est une excuse. Au cinéma, c'est au cinéma, on aurait jamais fait ces titres, ouais, ces titres là, en plus, ouais, ces entrées là, enfin faut pas se mentir. Ouais. Mais nous, la chance qu'on a eue, c'est que jusqu'au dernier moment, on y a cru parce qu'on a fait 70 dates d'avant-première, ouais, tu te rappelles? Ouais, ouais, totalement. Donc, vraiment, et j'ai fait vraiment la bise à tout le monde et je ne comprends pas que je sois encore négative. Je dis la vérité. En fait, le vaccin se trouve dans toi. Peut-être que je suis le patient zéro. Oui. Bon, bah, je vous dirai, as soon as je sais. Mais du coup, il y a quand même eu beaucoup d'avant-premières et ouais, ça a toujours été plein. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a vraiment pas vu que le Covid arrivait. Hein. Ah, totalement. C'était tout le temps blindé et les gens ont resté souvent à la fin et les gens discutaient et tout ça. Ouais. Il y avait beaucoup de mamans, de mères de famille qui venaient avec leurs filles et tout ça. Et alors, ça m'a bouleversée parce que elles me disaient merci. Et je me suis dit, mais c'est fou. Pourquoi? Parce que nous, à la base, c'était... Moi, je voulais faire la blague de la grosse qui se frotte à la barre pour serrer des mecs. Et après, j'ai compris que je pouvais avoir un mini-propos que je ressentais, qui était... en fait, faut pas trouver la féminité, faut trouver sa féminité, sa confiance en soi. Et j'en connais plein. Moi, j'ai des copines, elles font 130 kilos, mais elles ont plus d'assurance qu'une meuf qui en fait 47 et qui est aussi très belle. Enfin, tu vois. Ou moi, ma meilleure amie, par exemple, Adèle Exarchopoulos, non. C'est toujours ta meilleure amie. Non, c'est vraiment plus ma meilleure amie. Non, mais par exemple, Adèle... c'est quand même une meuf qui était Égérie Vuitton. Ouais. Et toutes les deux, quand on se préparait avant d'aller à une date avec un cum, on se préparait ensemble et elle avait aussi peur que moi. Alors que vraiment, je la regardais, ouais, je disais, mais frère, t'étais sur des bus avec Louis Vuitton. Ouais. Non, mais tu vois, il y avait un truc de ça ne veut rien dire, en fait. C'est tellement un truc de confiance. Alors oui, quand t'es en surpoids et que t'es pile pas ta moustache, c'est plus compliqué quand même. Ça m'aide pas, mais... Ça veut plus rien dire, tout ça. Y a un... Ouais, fallait sortir un peu des codes et tout. Et ça m'a fait plaisir de parler de la féminité comme n'importe quelle femme aurait pu en parler et mettre des vrais gens, enfin, au cinéma. Alors, j'ai la prétention de rien, mais les gens me remerciaient vachement et beaucoup les femmes. Et j'étais trop contente. Ouais. Parce que tout le monde pouvait enfin un peu s'identifier. Mais c'est marrant parce qu'on a reçu la semaine dernière Ruben Alves, le réalisateur de Miss, qui est sorti en salle. Et c'est aussi un film qui porte finalement un peu là-dessus, bien sûr, cette féminité et les cages finalement de la norme dans lesquelles on s'enferme et le fait de dépasser ça, quoi, parce qu'on s'en fout finalement. Oui, parce que par exemple, dans Forte, mon personnage Nour, tout va bien, elle est pas mal dans ses baskets. Ouais. C'est juste qu'un jour, il y a son entourage qui vient la voir et la bouscule en disant bah, t'es sûr que ça va? Ouais. Et c'est vraiment le regard des autres ou la société qui parfois te met une telle pression où il y a un mauvais regard sur toi et tu te dis ah ben en fait je crois que ça va pas alors que toi ça allait les vergetures c'était cool, c'était tes copines. et à partir du moment où on vient te voir et on te dit ah je crois qu'il y a un problème, ouais, ça vient des autres en fait, et ça vient beaucoup de ces magazines féminins qu'on voit, ces gens qui veulent tout, alors ils veulent tous faire bouger les choses, mais personne n'a les couilles de le faire en vrai. Mais c'est développé de plusieurs façons dans le film, mais aussi avec justement le personnage dont on parlait de Bastien. Moi j'ai vraiment un pote, excuse-moi de te couper, j'ai vraiment un pote un jour qui est venu me voir et j'étais avec des copines et il m'a dit je suis dégoûtée, je suis pas gay. Et en fait, il a fait son coming out à l'envers. Et je lui dis, mais c'est-à-dire, il me dit, bah, tout le monde m'a fait comprendre que j'étais gay, donc j'ai été essayer. Et non, je crois que j'aime les meufs. Et je lui dis, bah, c'est bien aussi, c'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment les gens qui te mettent mal à l'aise. C'est vraiment le regard des autres, en fait. Ça vient de là, le personnage, du coup. Ouais, ça vient complètement. D'un pote de son à moi. Ouais. C'est marrant, mais c'est un peu ce qui est arrivé à Guillaume Gallienne, si je dis pas de bêtises, qui n'est. Dans Guillaume et les garçons à table. Oui, c'est ça. C'est ça. N'hésite pas à monter un peu ton micro. Pardon. Bah, essaye de prendre exemple sur ton. Ton surtout qu'on passe. Je colle. Mais ouais, dans le film Guillaume et les garçons à table, ouais, il en parle. Et c'est un film autobiographique et il le dit en interview. Ouais, c'est ça. Elsa, t'avais une question. Oui, parce que tu parlais des actrices qui voulaient faire bouger les choses mais qui osaient pas trop. Moi, c'est vrai qu'il y a un paradoxe que je ressens, c'est le fait qu'on entend toutes ces actrices hollywoodiennes dire oui, les femmes, faut se libérer et tout, mais après, ça va faire les couvertures Photoshop. C'est ça. Genre, je me dis, il y a un gros paradoxe qui est sorti. Et t'as toutes ces comédiennes qui pensent comme toi et qui disent ouais, mais faut quand même que j'ai une campagne avec un parfum ou que j'ai un partenariat. En fait, tout le monde devient un peu ouf, déjà, je pense, à cause des réseaux sociaux, mais même les magazines féminins, même la mode, tu vois, il y a personne qui prend de risque, il y a zéro personne. Et pourtant, ils te font des éditos comme ça dans l'aile. Et elles ont envie, j'y crois, j'ai déjà parlé avec des femmes du. Enfin, la rédactrice en chef du Elle, j'ai déjà parlé avec cette meuf-là et. C'est juste que faut que quelqu'un prenne. Je sais pas qui va faire ça en premier, mais il faut que quelqu'un s'y risque une fois. Tente de sortir un peu. Écoute, moi, je vais lancer des pulls Balenciaga, Givenchy, tout ça. Burberry comme le beurre et tout. Je pense que ça va cartonner. Pour faire des attentats caloriques pour la Fashion Week. Je vais me préparer ce coup-là. Si vous me suivez. Hâte de voir ça. Allez, on va te suivre pour voir ça.
C'est sûr. Il y a justement ta réalisatrice Katia Lefkovic qui parle de toi dans le film et qui dit que elle t'encourageait à montrer un peu plus la sensibilité de ton personnage et que tu semblais un peu réticente. Et elle raconte notamment que tu lui as répondu: je ne pleure pas, je suis algérienne. T'avais un peu peur de, c'est vrai, de montrer cette. Bah, je suis pudique. Ouais, et c'est pour ça que. Et j'ai l'impression que si je pleure, je suis dans un film de Kechiche. Et moi, je veux faire rire les gens jusqu'à preuve du contraire. J'ai envie d'être populaire, de plaire à tout le monde. Et j'ai grandi avec Louis de Funès. Si c'est pour faire. J'arrive pas encore à pleurer et tout. Enfin, j'ai réussi dans 2-3 films. Mais dans Ford, déjà, on voit un peu aussi le. C'est pas que l'humour, il y a aussi un peu de. Non, mais enfin, je me laisse. Je vais faire ma comédienne pour une fois, mais j'ai envie de me laisser guider par un metteur en scène qui arrive à me faire ça, quoi. Elle a réussi, du coup. Elle a réussi des trucs, quoi. Elle est forte. Après, le truc, elle a pas réussi aussi. Hein. Non, du coup, moins ouf, pour le coup. Ouais, elle était meilleure chez Lidl. Ouais, alors, c'était Intermarché. Intermarché, par contre. Je pense qu'elle va très mal le prendre, je vais lui répéter. Et Michael. Justement, bonsoir. On parlait. Chaque fois que je prends la parole. Bonsoir. On parlait de Lorient. Pourquoi prendre de l'ASMR? Ça marche pas, attends. Oui, c'est plus ça. Ah, c'est ça, ouais. C'est pas du tout agréable. Hein. Pardon, Michael, dis-moi si je te perturbe. Pas du tout, je suis super à l'aise. Non, justement, je voulais parler de rôle. Est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais absolument faire et qui, pour toi, pour l'instant, te semble totalement inaccessible? Moi, à chaque fois, je triche un peu. J'essaie de trouver quelque chose qui me ressemble dans n'importe quel personnage. Parce que, par exemple, moi, j'ai toutes mes autres copines qui sont comédiennes. Elles adorent devoir apprendre le violon et devenir prof. Et moi, j'ai un peu de mal encore à ça. J'ai toujours besoin de mettre un peu de moi. Comme ça, j'ai l'impression que je serais sincère et au moins je jouerais juste. Après, c'est le tout début de ta carrière. Hein, je suis aux prémices. Tu le nom d'être fini, écoute. Merde. Non, mais ouais, je sais pas quel rôle. Bah, déjà, là, je viens de jouer une prof de français, c'est ouf. Ou un métier, hein, ça peut être. Ouais, ou comme prof de français, mais si. Bah, bien, on fait un petit bac, un métier, un légume, une marque. Mais déjà, la pole dance, tu t'es quand même. Oui, mais je suis pas censé réussir la pole dance. Là, pour Mickaël. J'apprendrai. J'ai été au bout, je connais 2-3 figures. S'il faut poursuivre, je poursuivrai. Je te le dis, Mickaël. Je te le dis comme je le pense. Et si tu veux te convertir à l'islam, c'est maintenant. C'est maintenant, on fait tout d'un coup. C'est le pack complet. C'est 2 spies. Non, mais je sais pas, je réfléchirai. J'aimerais bien le rôle d'une agriculteur. Non, je réfléchis. Qui pète un câble. Un routier. J'aimerais bien un truc supra féminin, mais. Je sais pas en qui. Ça peut être le rôle d'une mère, ça peut être n'importe. Enfin, ça peut être plein de choses, hein. T'attends la proposition de Kechiche, quoi, j'ai l'impression. Oui, mais alors, tout ce qui est nudité, moi. Oui, c'est... À moins que ce soit un film en 4D. Ou 5D. Oui. Est-ce qu'à propos de rôle, t'as l'impression d'être catalogué un peu dans des rôles, que ce soit comique ou autre d'ailleurs? Moi j'ai beaucoup eu le truc de l'humoriste comique. Il y a toujours un rôle d'une meuf qui a une grande gueule, donc c'est toujours pour ma pomme, et c'est pas grave parce que c'est qui je suis aussi. Mais là, de moins en moins, tu vois, par exemple, on me propose plein de films et c'est juste des meufs, quoi. D'accord. Enfin, des meufs. Là, par exemple, j'ai joué une prof de français de 30 ans qui en peut plus de sa vie. D'accord. Ouais. Et c'est cool, tu vois, parce que le mec, il m'a pas du tout appelé parce que j'étais rebeu, parce que j'aurais pu faire la carrière de service, l'humoriste ou la grosse rigolote. Et là, il m'a juste appelé en tant que femme de 30 ans, dépitée par ses élèves. On zep. Bon, justement. Il a quand même mis la zep. Quand même. Il y a ça, Elsa. Oui, oui, je voulais revenir. Tu parlais du corps, l'affirmation du corps. Dans Fort, c'est justement l'affirmation de soi. Est-ce que le sport, justement, ça peut aider à apprivoiser son corps et s'affirmer soi-même? Mais grave, je te dis la vérité. Attends, j'ai oublié ça. Voilà. Ah bah, il faut tout refaire. On coupe, on refait. Allez, on coupe. Ouais, franchement, ouais. Moi, moi, je jouais au foot avant, donc c'était vraiment un sport féminin. En plus, c'est cool. Enfin, tu vois, maintenant, mais avant, non, tu vois. Et la pole dance, par exemple, pour prendre l'exemple de la pole dance, qui est un sport et qui n'est pas du tout... Moi, j'avais des idées très arrêtées sur la pole dance. Je pensais que c'était des femmes un peu frivoles qui n'avaient pas de parents. Et en fait, pas du tout. T'as des gens qui vont à l'heure du déj. T'as une avocate, t'as une mère de famille. Il y avait une bibliothécaire, il y avait une meuf... Est-ce qu'il y a des hommes qui font la pole dance? Oui, aussi. Est-ce que tu veux essayer? Moi, ça m'intéresse. Non, mais c'est quoi, tu déconnes, mais c'est un vrai sport. Non, mais c'est une vraie question. C'est pour ça que ça va rentrer aux Jeux Olympiques pour de vrai. Pourquoi ce serait seulement... Ça, c'est vrai, du coup. Génial. Si vous voulez, je vais pas mentir, je me vante rarement, mais dans le milieu de la pole dance, je suis très très en place. Grâce à Ford. Donc si quelqu'un veut essayer des cours, vous m'appelez. On va tenter. Okay. Mais ouais, je trouve que t'as un truc de self-esteem en fait. Et puis c'est con, mais il y a des miroirs de partout. Donc t'as pas d'autre choix que de te regarder, de t'affronter, de te confronter. Et au début, tu t'apprécies, enfin au début, tu te tolères, après tu t'apprécies, et à un moment donné, tu t'aimes. Alors ça règle pas tous tes problèmes. Hein. Je dis pas allez vous frotter à une barre et vous aurez plus de problèmes, c'est pas vrai, mais.
ça commence à faire bouger des choses en toi et je trouve que c'est pas mal. Et c'est ça dans tous les sports en vrai. Mmh, ouais. Dès que tu réussis quelque chose, de toute façon, t'as un peu plus confiance en toi et tu te sens mieux, quoi. C'est con, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas vous au Cap Ferret ce que vous en pensez, mais. Au Cap Ferret, c'est le golf. Écoute, c'est ça, elle me disait, le petit point comme ça. Quand vous faites un peu de gratte autour du feu, comment ça se passe? Le golf, c'est très sportif. Sophie, elle avait des questions. Concernant justement ton film Forte et la pole dance, quelle a été ta préparation physique pour le film? Alors, déjà, il faut que vous sachiez, j'ai perdu 40 kilos, mais j'ai pas fait exprès. C'est ça qui est le truc le plus drôle du monde. J'étais tellement stressée à l'idée de. Tu sais, d'écrire un film, de voir qui. Parce que peut-être il aurait pu ne pas se faire aussi, tu vois. Donc on a été en financement, ça s'est bien passé, mais j'avais quand même la boule au ventre. Donc le soir, je mangeais plus, faut le savoir quand même. Et après, j'avais un calcul dans la vésicule biliaire. Et moi, je suis très hypochondriaque. Donc j'avais peur de le déclencher à chaque fois. Donc le soir, j'ai arrêté de manger à 18h et tout. J'avais un vrai. Franchement, j'avais une vraie bonne hygiène de vie à un moment donné. Et ils m'ont inscrite au cours de pole dance. J'avais deux profs, pas une, deux. Et j'avais cours de sport et cours de danse. Ah, donc c'était hyper complet du coup. Du coup, j'ai vraiment perdu 40 kilos. Comme quoi, vraiment, si on ferme sa bouche et qu'on fait du sport, ça marche. Tu vois, il n'y a pas genre la pilule magique et tout, ça marche. J'en ai fait les frais et c'était génial. Après, là, j'ai repris pendant le confinement parce que il fallait trouver quelque chose à faire. Il fallait s'occuper. C'est une véritable activité. Hein. Excuse-moi, mais faire une tourte au fromage, c'est une activité. Bah ouais. Aussi. Je sais pas ce que vous faites, c'est mais votre temps libre. Non, mais franchement, ouais, ils m'ont bien préparé. Mais j'ai pas bien dansé à la fin, c'était très drôle. Mais là, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te sens de monter sur une barre de pole dance? Oh, grave! Ouais. Et puis ça m'a fait vraiment du bien, c'est con, hein. Mais comme dans le film, il y a un truc que ça a libéré chez moi. Alors, je dis pas que maintenant j'ai surconfiance en moi, mais j'ai gagné peut-être 4-5% de confiance en moi que j'avais pas avant du tout. Et je sais que c'est grâce à la pole dance et toutes ces femmes qui étaient là autour de moi, qui étaient des femmes de tout bord, tout horizon, et c'était génial, quoi. Il y avait un vrai truc de sororité, quoi. C'est super, Elsa. Je veux juste faire une déclaration. Ah, oula! Ah, vas-y, attends! Ok, oula. Parce que je trouve que tu t'assumes de ouf pour quelqu'un qui dit j'ai pas beaucoup, enfin 4-5% de. Ouais, je en sais moi. Pas, mais je suis très contradictoire. Et je trouve ça ouf parce que, effectivement, moi je me suis reconnue dans le film et tout par rapport à la féminité et tout. Et j'ai trouvé ça super en fait que tu t'assumes autant. Voilà. T'es trop gentil! J'ai envie de te faire un câlin. C'était la séquence émotion. J'ai failli. Putain, c'est une jolie image. C'est vraiment un mec du Cap Ferret. Ça, c'est joli. Allez, les gueux, faites-moi rire. Et aimez-vous. Divertissez-moi, s'il vous plaît. Michael. C'est un running, hein, ça va être. C'est un running, ça va être compliqué. T'as été joueuse de foot chez les jeunes au PSG, pardon. Et on Elle a appris. C'est bizarre ta phrase. Non. T'as été. Comment ça, chez les jeunes? Chez les jeunes du PSG. Oui. T'as des jeunes. Ah, d'accord. Okay. Chez les jeunes. Quoi. Chez les vieux du PSG, tu voulais. Non, c'est bizarre chez les jeunes du PSG. J'aime chez les juniors. Chez les juniors, tu préfères, ouais. Enfin, t'as été. C'est pas sale terme en football, mais c'est pas grave. Hein. Benjamin, comme ça. Donc, tu m'as totalement perdu. On a appris. Non, j'écris pas bien du tout en plus, donc c'est l'enfer que tu dis ça. Il fait des scènes devant les gens. Devant les gens, ça y est, on y est. Ça va se terminer en divorce, cette histoire-là, moi je vous le dis. On a appris que ta maman a refusé que tu partes à Cleveland pour ta le foot. Ta belle-mère, du coup. ta belle doche. Que belle-maman a refusé. Oui, elle ouais. Et justement, est-ce que tu n'as pas transposé toute l'histoire que tu as eue avec tes parents dans le film Forte? C'est un beaucoup, il y a beaucoup de. C'est pas un biopic. Si Katia Lefkovitch, elle aimait dire de Forte que c'était genre le premier biopic d'une meuf pas morte et pas connue. D'accord. Donc, c'est pas là. Je vois ce qu'elle veut dire. Bon, le coup, t'es un peu connu quand même. Non, bon, là, maintenant, c'est le succès, mais maintenant. C'est les 4 millions sur Amazon. C'est ça, l'ISF. Enfin, tu sais de quoi je parle, l'ISF. Évidemment, toi, hein, au Cap Ferret, nous, on va dire que ça. Ça coûte un max, cette histoire-là. Non, mais ouais, comment dire, oui, j'ai mis un maximum de trucs à moi parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui écrivent des scénarios et c'est pas la vraie vie. À chaque fois, on dit, ah bah n'importe quoi ce film, j'y crois pas. Je me suis dit, bon, je vais mettre des trucs qui ressemblent, qui me sont arrivés. Et notamment ta famille. Oui, après, j'ai même remixé un peu des trucs. Mais ma mère est fan d'ésotérisme, par contre, ça c'est vrai, comme dans le film. Ah, c'est bon. Elle tire les cartes, elle va voir, dès que quelqu'un lui dit, oh, t'as pas vu la nouvelle voyante, elle voit dans le coquillage, elle y va. Enfin, ma mère est complètement charmée. Elle tire les cartes pour voir si tu vas avoir un rôle aussi ou pas. Non, ou si des fois elle m'appelle, elle me dit, alors j'ai appelé une dame qui est genre comme une rebouteuse, tu vois, un truc comme ça. Qui est genre
dans un bled perdu dans le nord. Elle m'a dit que le film, je dis, mais je t'ai rien demandé. Je veux même pas savoir. Ma mère est très branchée, ouais, ésotérisme. Elle avait prévu Amazon Prime ou Prime Vidéo. Ouais, mais ma mère, à chaque fois qu'elle prévoit un truc et qu'elle se trompe, elle dit non, mais t'as mal entendu, c'est pas ça que j'ai dit. Elle avait pas prévu le Covid en tout cas. Ça, effectivement, on l'avait pas prévu. Pour les rôles qu'on te confie aussi, je voulais. Ah non, Elsa, je crois qu'il y avait une question sur oui, le sport. D'ailleurs, oui, j'aimerais bien faire mon petit. Elsa, c'est ma préférée. Ah. Pardon, bah super, merci. Michael, hein. Il est content. Ouais. Bah, divorce en direct. Bah, je vais pas mettre en couple avec elle. En quoi que c'est allez, hein, allez. Why not. Non, mais j'ai un petit jeu pour toi. Si tu devais faire ton 11 de départ des acteurs et des actrices françaises. Elle est contente. J'ai mis 10 ans à trouver le jeu, j'étais trop fière. Il est trop bien ton jeu. Alors, du coup, qui mettrais-tu? Au goal? Ouais, au goal. Allez, goal, défense, attaque. Goal, je mettrais Marina Foïs. Ok. Ouais. Défense. Valeur sûre. Défense, je mettrais Géraldine Nakache. Ah. Alison Wheeler. J'aime bien Karine Viard. Ouais. Je la mettrais en libéraux. Okay. Tu vois, bonhomme. Je mettrais Gérard Depardieu au goal et je change avec Marina Foïs. Vous voyez moi sur loin. Comme ça, au moins, aucun ballon ne rentrera. Je mettrais Isabelle Adjani en arbitre. Mm-hmm. Parce que je veux pas d'embrouiller avec elle. Non, non. Je mettrais Adèle Exarchopoulos en milieu, Hélière. Ouais. Ouais, dire, ouais. Je me mettrais moi en milieu parce que voilà, c'est vrai que je joue très bien au foot, mais au foot, hein, tu vois, pas en termes de comédie. C'est-à-dire moi, je suis que pour jouer au foot. Je mettrais, ouais, Laïla Bekti, j'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Mais j'ai Aldine Nakache, mais pas voilà. En attaque, ouais. Ouais, je mettrais des gens comme ça. Jonathan Cohen, je sais pas si tu veux. Ouais, mais il joue mal au foot. Ah, il joue mal. Pas de. Si, Jonathan Cohen, si, mais je mettrais tout. En vrai, je mettrais tous mes potes. Ouais. Et d'ailleurs, parce qu'il joue bien. Est-ce qu'on peut imaginer que tu sois dans la saison 2 de La Flamme? Alors, on m'a proposé, alors pas Canal, mais des gens. Et qui m'ont dit, ce serait bien que ce soit à toi de trouver les mecs maintenant. Ouais, c'est ça, c'est, je crois, l'idée qu'ils ont envie de faire pour la saison 2. Ouais, écoutez, moi, je suis pas contre voir des hommes. Si ça dérange pas Mickaël, j'irai. C'est la saison 1. La saison 1 en tout cas était super. C'est donc, super drôle. Donc, c'est vraiment très drôle. Avec justement Adèle, Géraldine, Leïla Bekti, incroyable. Leïla Bekti est folle. Mais moi, comme je sais qu'elle est vraiment folle de la vie, ça ne me fait plus, tu vois. Plus je d'effet, sais, mais je sais que c'est... On sent qu'elle a la voix cassée tout le temps, j'ai l'impression. Vraiment, à force pousse. De crier. Elle donne tout. Elle était obligée de fumer. Hein. Ah ouais, mais non, je rigole. Elle a fait une préparation de nicotine. Ouais, des gitanes dès le matin. On parlait tout à l'heure des rôles un peu dans lesquels tu joues et comment est-ce que tu vois l'évolution justement des rôles qu'on propose aux femmes en général? Est-ce que t'as l'impression qu'il se passe quelque chose un peu? C'est une catastrophe. Une catastrophe, c'est de pire en pire. Non, c'est pas de pire en pire. Ça va de mieux en mieux. Ouais. Mais on partait pas de, tu vois. Oui. Quand on part de. Non mais c'est marrant que tu me dises ça. Par exemple, Franck Gastambide, il a toujours eu l'honnêteté de me dire et de dire aux gens, je ne sais pas écrire pour les femmes. Ah oui, c'est ça. Par exemple, et je dis ça se voit. Oui, c'est vrai que ses rôles mais sont plutôt masculins. Il le dans sait, ces tu films. Vois. Il sait qu'il a envie de. Il aimerait, mais il ne sait pas. D'accord. Et je pense qu'il y a plein de mecs qui peut-être n'y arrivent pas ou ne savent pas comment faire parce que dès que tu vois les rôles de meufs, c'est soit une mère psychorigide qui a tous les enfants, qui met des post-it et qui attend la nounou, soit une pute, voilà, hein, qu'on se le dise, soit. Moi, toutes les comédies de meufs que j'ai vues en France, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'était une catastrophe. C'est que des meufs qui se parlent d'épilation en train de boire des shots et qui disent ah ce soir je vais me la mettre et je alors putain moi j'ai pas ces copines là et je pense que mes copines elles ont pas ces copines là non plus. Non moi non plus. C'est pas tout le temps ce cliché de on boit des shots et on va se faire tringler. C'est tellement il y a d'autres trucs que les femmes font. Mais j'ai un mini jeu d'ailleurs là-dessus. Ouais. Mini jeu sur les rôles qu'on confie aux femmes. Pour vous c'est quel métier qu'on confie? Il y a Opus Data qui a regardé ça. Quels sont les métiers qu'on confie le plus facilement aux... Maman, prof. Mère au foyer. Ouais. Ah oui, bah non, prof. Maman, je l'ai pas. Prof, il y est. Prof, tout à fait. Enseignante. Il y a quoi t'es d'autre fort. Serveuse. Serveuse, exactement. Nounou. Nounou. Ah, je l'ai pas, nounou. C'est très mal fait, ce jeu. Il y a nounou, j'avais mal vu. En fait, il était un petit. Mais non, sinon, il y a aussi infirmière, secrétaire, caissière, vendeuse. Voilà, c'est les rôles qu'on confie plus aux femmes. C'est quand même assez triste. Ça montre qu'il y a quand même un peu de travail encore. C'est pour ça que je t'ai dit un peu de taf, là. Mais peut-être que la solution. Se met. J'ai perdu Elsa, mon mot. Elle vient avec la soluce là. Là. Non, si tu l'as. Réside, voilà, dans le fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes réalisatrices. Et oui, scénariste et réalisatrice. Ouais, c'est grave. Que c'est pour ça qu'on te pousse. C'est oui, on t'encourage. On va parler comme en patois, dans l'amour et dans le prix. C'est pour ça qu'on te pousse. Bah écoute, Mickaël, très bien, pousse-moi. Écoute, Elsa, elle va te le produire, ton premier long métrage. Bonjour, Elsa. Chou.
T'es chaud, tu produis? Allez. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Il y a un deal là. Je fais. Ok. On va gagner de l'argent. Grave. On le fait pour l'amour du cinéma. Nous. Oui, oui, nous, on fait ça. Bon, oui, bien sûr. On n'a qu'à tourner ça. On fait un huis clos ici, ça va nous coûter que dalle. Là. Ah, bah là, c'est pas, ça va. Hein, on peut, se on fait peut. Des Deliveroo le soir. Ça t'es, va, chaud, ça. T'es chaud? Toute l'équipe est partant. Justement aussi à propos de cinéma, il y a ton film, on l'a dit, est directement sorti sur Prime Video alors qu'il devait sortir en salle. C'est un carton mieux que celui de Kairon. Voilà, j'ai jamais envie de le dire. Tu l'as crié. Il marche bien celui de Kairon ou pas? En tout cas moins que Forte. Mais dans les avis, en tout cas les avis, on n'a pas les chiffres, mais en tout cas on sait que les avis sont pas très bons sur, bah sur le sien, mais sur le tien, en tout cas ils sont bons. Ça va. Ah, il y a pas que du. Je sais pas. Moi j'ai vu à la sortie sur Twitter, j'ai vu de bonnes choses. Ah ouais. Après j'ai peut-être vu. Moi j'ai eu des bonnes critiques presse. Ah, presse. Parce qu'ils avaient peur de dire ah là là, nul la grosse arabe. Quand il y a 4 millions. Quand il y a 4 millions de personnes. Après on était confinés, attention. Oui, ça a aussi aidé, il n'y aura pas ça. Je suis sûr qu'il y a des films qui ont fait des flops qui sont sortis pendant. Et après Forte a été l'un des succès du confinement, c'est ça que tu veux entendre? Voilà, c'est ça. Non, mais comment est-ce que. Le film turc et après Forte. Je te jure que c'est vraiment plus classe. Ah oui, juste un peu sur le film turc. Et après il y a la plateforme en dessous. Ouais. En dessous de Forte. Exactement. D'accord. J'ai niqué la plateforme. Voilà. Netflix, ils vont t'envier. Hein. Ils ont tenté de l'avoir. Oui. Ouais. Ils ont moins payé. Ils ont moins payé. Mais, moi, c'est pas moi qui choisissais, c'était pour les producteurs. Non, parce qu'en vrai, je voulais pas que les financiers, tu sais, TF1, UGC, c'était pas ça. TF1, France 2, Canal, je voulais pas qu'ils perdent d'argent parce que je me suis dit, la honte, mon premier film, les gens, ils vont déjà perdre de l'argent et il y a un pangolin, c'est quoi? J'ai pas de chance quand même. Et c'était important que tout le monde soit remboursé, tu vois. Ouais, d'accord. Donc j'étais contente au moins pour eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et que Clint soit le plus vu possible dans les meilleures conditions, tu vois. Bah là, ça a été le cas. Hein. C'est 4 millions, c'est quand même. Heureusement que je t'ai dit, c'est en secret, faut pas dire les chiffres plein de fois. Il l'a répété 12 fois. C'est combien? 4, je crois. 4, quelque chose. Ah, nickel. Bonsoir. Et justement, alors, je suis pas au courant, c'est pour ça que je te pose la question. Au vu du gros succès, est-ce qu'un Forte 2 serait possible? J'aimerais bien l'appeler Encore plus Forte. Ah. Je trouve ce titre. Mais Encore plus Forte, mais du coup, ce serait un biopic sur une glu. Sur une colle, tu vois. Ça pourrait être drôle, n'empêche. On peut trouver, il y a des, astuces. Un Marvel, tu vois. Est-ce qu'Elsa, tu produis ça ou pas, toi? Je produis direct. Produit quand même. Je crois qu'Elsa va tout produire. Elsa, j'ai plein d'idées, tu vas voir. Ouais, ça va être génial. On va mettre la glu sur la pole dance, ça va être incroyable. Bah voilà, et du coup, on résout le nœud de l'intrigue. C'est ça. Mais du coup, est-ce envisageable une suite à Forte? Bah, je crois que ça y est, à la fin, elle s'est trouvée un petit peu. D'accord. Donc, il faut qu'elle aille vivre sa vie, Mickaël. Non, mais je voulais savoir avec toute l'équipe refaire un film. Non, pas avec toute l'équipe, il y a des très mauvais souvenirs, je n'ai pas tout dit. Il y en a, ça va. Non, mais il y a d'autres films, on est en train d'écrire d'autres choses. Bon, bah c'est super. Et je vous inviterai. Ah, bah avec plaisir. On espère. Bah, au contraire. Mais je sais pas à quoi, du coup, parce que les avant-premières, mon ami, c'est. On sera là quoi qu'il arrive. On sera gentil. On sera tous là. Non, mais ça fait très plaisir en tout cas. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui te perturbe en fait? Je veux savoir si elles sont plastifiées. C'est des fiches de comme des photos quoi qu'on. Il y a de l'oseille. Il y a du but. Écoute ça. Elles sont bien ces fiches. Ouais. Elles sont trop belles tes fiches. D'abord ça me fait plaisir en tout cas. Ça doit t'en as qu'une avec le logo. Oui. C'est pour la planète. C'est la supercherie. C'est pour la planète. La planète a besoin de qu'on utilise peu pas de logo. Son encre. Dernière question pour toi. Quel conseil tu donnerais à la Melra de 8 ans? Si tu devais lui donner un conseil. Déjà, je lui dirais de reposer cette louche. Parce que je pense que c'est pas normal de manger sa soupe avec une louche. Non, je lui dirais maigrir un petit peu et en même temps fais ce que tu veux. Ouais, pour pas se. Va au bout de tes rêves, tu verras, ça va bien se passer normalement. Normalement, tu vas être solvable. Ok, bon bah oui, a priori. Mais c'est pas sûr encore. Je suis encore interdit bancaire, je sais pas si tu connais quelqu'un. Bah moi, j'ai une petite embrouille à la bread. Moi, si j'appelle jamais. Macron, écoute, on règle ça à l'instant. Voilà, je suis content. Merci beaucoup, Melra, d'avoir accepté notre invitation. Cool. Bah, nous, ça nous a fait vraiment très plaisir. On s'est bien amusé avec toi. Ah, trop bien. On s'est bien amusé. Je rappelle donc que ton film Forte est disponible sur Prime Video. Et bon, il a 4 millions, mais quand même, on peut passer aux 5, je pense. Ouais, regardez, de toute façon, c'est le meilleur de Amazon. Donc. Ah, ils ont un bon catalogue quand même. Ah, ils commencent à avoir un super catalogue. Ouais, bon, d'accord. C'est la fin de cet épisode. En tout cas, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clapeurs. Donc à toi, Melra. C'est nickel. Merci à Anna et Pauline qui sont derrière les caméras et qui nous aident à réaliser cet épisode. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions. C'est qui Sunday Night Productions? Ceux qui produisent Clapin 5. Ok. Hein. Voilà. C'est ceux qui vont repayer la machine à café. Putain, je l'ai cassé. Non, pas du tout. Je crois que j'ai 40 balles. Non, non.
N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Ah, mais il y a une clé. On va résoudre ce mystère, la machine à café. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clap en 5 Podcast et activer la cloche, pour avoir toutes les nouvelles notifications des prochains épisodes. Et si tu actives la cloche pendant les fêtes de Pâques ? Ça a double effet. C'est plus puissant encore. Rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode et d'ici là, allez au cinéma.